Eh bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le langage C++. Alors je vais reprendre mon plan. Voilà, alors, non c'est pas celui-là. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien on va voir ce que c'est un espace de nom, un namespace en C++. Et on va voir un peu ce que c'est un flux, voir comment on peut les utiliser. Ça va être une introduction au flux. On va pas tout voir parce qu'il y a énormément de fonctionnalités. Juste vous montrer comment est-ce qu'on les utilise de manière basique. Sinon, si vous voulez voir un peu plus, soit je ferai des vidéos, mais bien plus tard, hein, une fois qu'on aura même terminé la programmation orientée objet. Ou alors, vous pouvez aussi aller voir sur le site c++.com où il y a toutes les fonctionnalités d'énumérer avec de petites explications. Moi, ce que je veux, c'est vraiment, je fais la formation C++, enfin, les tutos C++, pardon, afin de vous montrer la programmation orientée objet. Mais pour ça, j'ai d'abord besoin de vous montrer quand même les fonctionnalités de base du C++. Ok, alors, on va voir ce que c'est un namespace, comme ça, ce sera fait. Alors, un namespace, qu'est-ce que c'est? Alors, eh bien, en fait, un namespace va vous permettre de créer un nom sous lequel il y aura des fonctionnalités, des classes qu'on verra dans la prochaine vidéo, des variables. Je vais vous montrer ça tout de suite. On déclare un espace de nom comme cela. Et on choisit le nom qu'on veut. Imaginons, qu'est-ce qu'on pourrait donner? On va prendre n'importe quoi. J'ai absolument aucune inspiration. Alors, imaginez, vous voulez faire des fonctionnalités en rapport avec votre système d'exploitation. Imaginons, hein. Eh bien, on veut utiliser un nom, on va l'appeler par exemple OS. D'accord? Et vous ouvrez des accolades. Tout ce qui sera entre accolades sera sous l'espace de nom OS. D'accord? Et on va y déclarer, je ne sais pas moi, une variable. Qu'on va appeler var, hein, on va pas se casser le cul, on va l'initialiser si on veut à 10. On va créer aussi une petite constante float qu'on va appeler version. Okay, on va essayer de rester là-dedans, hein, donc var c'est pas bon. On va dire pourcentage du processeur. Bon, c'est pas très. On va faire comme ça. On va mettre. Allez, on va mettre 0% au départ, on s'en fiche, hein. Version, ça c'est juste pour l'exemple, et on va mettre version, je sais pas, 10.8, hein. Voilà. Donc ici, on a plusieurs variables qui sont sous un certain espace. Alors, pour les utiliser, on va pas pouvoir faire comme ceci. On va continuer avec les stdio pour la première partie de la vidéo. On va mettre cstdio, ça sera plus correct, voilà. On va afficher nos variables. Alors, on va essayer de l'afficher. Oups, j'ai un peu du mal avec le clavier aujourd'hui. On va essayer de l'afficher comme ceci. Alors, étant donné qu'elle n'est déclarée qu'une seule fois. Alors, non, j'ai pas ma commande déjà prête. Donc, je rappelle la commande cg++-o, votre nom d'exécutable et votre fichier. Voilà. Là, il dit il y a un petit problème. Il dit que notre petite variable perseProcess, eh bien, elle n'existe pas. Mais elle a détecté qu'il y avait une variable perseProcess dans un espace de nom. Eh bien, pour l'utiliser, il suffit de faire os, 2.2. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça, dans la première vidéo, on utilisait std, 2.2, c'est out pour afficher quelque chose. Eh bien, c'est pareil. C'est out est dans un espace de nom qui s'appelle std pour standard. Ici, on a créé notre espace de nom OS. Et du coup, on va l'utiliser. On compile, ça fonctionne, on va exécuter. Et hop, on arrive à afficher notre version, notre perc process. Rien ne nous empêche de modifier cette variable. C'est une variable comme toutes les autres. Hop. Voici. Et rien ne nous empêche non plus de la redéclarer, par exemple ici. Oups, perc-process égale 8. On va l'afficher en même temps que l'autre, sauf que celle-ci, on va pouvoir l'afficher sans faire le os 2.2. Tout simplement parce que le os 2.2 fait référence à cette variable-là, alors que cette variable-là fait référence aux variables déclarées dans la fonction main. Hop, et voici. Et en plus, ce qu'on peut faire, on va créer l'espace de nom, je sais pas, on va mettre Apple.
On va créer un autre espace qu'on va faire, on va l'appeler Windows. On va déclarer les mêmes variables. Comme ceci. On va mettre la valeur 45 ici. On va enlever ceci. Et on va afficher les variables différentes. Et on va pouvoir créer plusieurs variables avec le même nom, mais qui sont dans des espaces différents. Oh, ça, oui, je vais changer ici. C'est Apple maintenant. Hop, voilà. Et là, ça fonctionne bien. Donc c'est à ça que ça sert les espaces de nom. On peut englober, encapsuler plusieurs variables ou constantes, ou même classes, ou encore des fonctions. Par exemple, je crée une fonction print qui va afficher Hello World. Hop. Et bien ce que je fais, c'est Apple. Je prends l'espace de nom dans lequel il est affilié. J'utilise ma fonction. Comme d'habitude, sauf que je rajoute l'espace de nom. Et ça fonctionne. Vous pouvez aussi faire ceci. Déclarer vos fonctions dans votre espace de nom. Et ensuite, définir votre fonction à côté. Sans oublier de rajouter l'espace de nom avant le nom de votre fonction. Hop, et on va faire print hello. Hop, et ça fonctionne. Voilà. Ça peut être très pratique hein, pour diviser un petit peu le code, enfin pour mieux s'y retrouver. Et il est possible, il me semble, je n'ai jamais fait, mais il me semble que c'est possible, Apple OS, de créer des espaces de nom dans des espaces de nom. Mais dans ce cas-ci, il faut faire... J'espère que je ne me trompe pas, ce serait un peu con. On va essayer d'afficher perc process. On prend le premier espace de nom, ensuite le deuxième, et ensuite on appelle notre variable. Logiquement, ça devrait être correct. Effectivement. Parfait. Donc voilà à quoi servent les espaces de nom. C'est à vraiment structurer un petit peu, séparer les diverses fonctionnalités ou variables. En parlant d'espace de nom, donc on avait vu la fois passée std 2.2. Et dans l'espace de nom std, donc là on va parler des flux hein, maintenant, eh bien il y a ce qu'on appelle le cout. On avait vu qu'il permettait d'afficher des choses. Vous pouvez afficher des chaînes de caractères et n'importe quoi d'autre. Hop. C'est le flux de sortie. À savoir que chaque flux, que ce soit sortie standard, la sortie standard qui est l'écran, hein, enfin le terminal ici, qui est l'entrée standard qui est le C-in qui est le clavier, la sortie d'erreur qui est C-E-R-R, donc sont tous des flux, et même pour les fichiers qu'on verra après, ce sont tous des flux, et même les chaînes de caractères certaines, sont tous des flux qui prennent leur base sur ce qu'on appelle des buffers, hein, d'accord, des contenants qui sauvegardent l'information. Enfin, on va pas rentrer en détail là-dessus, c'est pas pour ça que je fais le tuto C++, du moins pour le moment. Ok, donc là, on utilise la sortie standard, qui est un flux. On lui met, grâce au chevron, une chaîne de caractères, parce qu'on va afficher une chaîne de caractères, et si on veut, on rajoute... Lorsque vous voulez rajouter des éléments affichés, vous n'oubliez pas les chevrons, et vous mettez std:\endl, qui est endl qui est contenu dans std, qui est une constante, je présume, qui va faire un retour à la ligne et vider le buffer, hein, à savoir ça. Et du coup, je ne sais même plus si j'avais compilé. Ça s'affiche bien. Alors, un petit truc qui est chiant à chaque fois, c'est si on veut afficher des choses en C++, il faut à chaque fois mettre std:\cout, std:\endl, std:\ex, qu'on verra après. C'est un petit peu relou. Alors, un truc que les gens aiment bien utiliser, moi je le fais jamais, parce que j'aime bien savoir d'où viennent les fonctionnalités que j'utilise, mais bon, ça peut être pratique lorsqu'on fait des codes pas très gros, pas très complexes, c'est de faire, taper la commande using, donc on utilise l'espace de nom, using name space, std, point virgule. Et là, ça va dire, ok, eh bien, je dis à mon programme, voilà, je n'ai plus envie d'écrire le std, du coup, tu vas le mettre implicitement. Donc il le mettra par lui-même. Du coup, de ce moment-ci, il n'y a plus besoin de mettre le std. Et là, vous voyez que ça marche. Alors que si on ne mettait pas ça, hop, eh bien, ça ne marcherait pas.
D'ailleurs, il vous le dit, hein, il faut mettre le std. Pour la vidéo, je ne vais pas mettre le using namespace, comme ça on voit bien d'où viennent nos fonctionnalités. Ok. Alors, je vais suivre mon plan parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, pour l'affichage, une simple chaîne de caractères, ça va comme ceci. Si vous voulez afficher, par exemple, une valeur, suivie d'une chaîne de caractères, enfin précédée d'une chaîne de caractères, par exemple, donc je veux afficher valeur de point, imaginons. On va afficher une valeur au carré. On va créer une variable n, on va mettre 6. On veut l'afficher au carré, du coup, on affichera 36. Eh bien, pourquoi pas le rajouter n fois n, tout en n'oubliant pas de rajouter des chevrons pour rajouter un élément. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans le cout, donc dans la sortie standard, une chaîne de caractères valeur. Ensuite, il va y mettre une valeur n au carré. Et ensuite, il va y mettre un retour à la ligne. Et il va vider le buffer au passage. Hop, on compile. Et voilà, on a bien valeur 36. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Ça marche aussi avec des doubles. Même mettre une constante double, pourquoi pas, soyons fous. Voilà. Alors là, par contre, ah oui, j'ai rajouté des chevrons en trop. Par contre, ici, on a oublié de mettre un petit espace, mais bon, c'est pas grave. On voit le 36 suivi du 3,14, ça marche aussi. Par contre, j'ai un petit doute, on va vérifier. Pour les valeurs booléennes, donc ils peuvent prendre deux états, vrai ou faux. Je ne sais pas s'il est autorisé à l'afficher. Dans mes souvenirs, il y avait une erreur. Ah non, ça marche. Mais voilà, il n'affiche pas vrai ou faux, il affiche 1 ou 0. Vrai, c'est 1, et faux, c'est 0. Si vous voulez afficher vrai ou faux, rien ne vous empêche de mettre un if, ou encore, moi j'aime bien faire ceci, val, point d'interrogation. Donc, si val vaut vrai, on affiche vrai. Sinon, on affiche faux, pourquoi pas. Enfin bon, ça c'est vous qui décidez. Je vais pas revenir sur ce que c'est point d'interrogation, deux points, on l'avait vu auparavant. Qu'est-ce que tu veux? Ah. Ah oui, c'est pas faux ça, je ne pense pas. Je crois que c'est un truc qui n'accepte pas ça. Ah non, c'est bon, il suffisait de mettre des parenthèses, voilà, bon. Ok. Si vous utilisez point d'interrogation, deux points, eh bien, mettez des parenthèses, sinon je crois qu'il va mal le prendre par rapport aux priorités des opérations. Et vous voyez ceci, on va enlever ça parce que c'est un petit peu délicat. Ah, je m'en fous. Vous voyez ces petits chevrons-là par rapport à ceci. Alors déjà ça, c'est ce qu'on appelle un objet. On verra ça dans la prochaine vidéo. Et ça, la surcharge des opérateurs qu'on verra aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir le comportement des opérateurs par rapport à un certain objet. Mais ça, on verra ça dans deux prochaines vidéos. Ok. Alors, on va rester sur le cout encore. On va prendre une valeur, par exemple 666. Donc on a vu qu'on pouvait afficher une valeur, comme ceci. Je dois vous montrer quelques bazars à propos de ça. Donc on pouvait afficher une valeur comme ceci. Eh bien, cout permet aussi, enfin pas seulement cout, hein, les flux permettent aussi de transformer vos valeurs en hexadécimales, de l'afficher en hexadécimal. On prend dans l'espace de nom std, la valeur hex, et on l'envoie dans le flux. On l'envoie dans le flux, ensuite n sera envoyé dans le flux, et sera mis en hexadécimal. Et voilà, on a 666 en hexadécimal. Vous avez le même en décimal, bon ça c'est classique, et vous avez, il n'y a pas le binaire. Alors, on va tester, je suis pas sûr. Non, il n'y a pas le binaire. Si on met binary. Non, il n'y a pas le binaire. Mais vous avez l'octal. Ça équivaut à faire un printf de %O. Okay. Voilà. Donc ça peut être très pratique. Il y a encore plein de choses, hein, plein de choses, mais je ne vais pas tout vous les montrer. Tout est résumé sur le site c++.com. Là, vous pouvez trouver tout votre bonheur. Là, je vous montre vraiment les bases. Ok. Je regarde si je n'ai rien oublié par rapport à ceci. Ok, donc pour le cout, en gros, c'est ceci. On avait vu aussi en C classique, avec le
qu'il y avait le fprintf stderr pour envoyer nos données à l'écran, mais sur la sortie d'erreur, qui était censée être plus rapide que des segmentation faults, par exemple, qui pouvaient prendre le dessus sur un printf et du coup fausser votre débugage. Eh bien, ici aussi, il y a le stderr, mais il s'appelle cerr. Remplacez le cout par cerr. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, revenez sur mes anciennes vidéos. Pour moi, pour voir la formation C++, il faut connaître au moins les bases du C. Ok, voilà. Bon, là, ça fonctionne aussi. Maintenant, l'entrée au clavier, le bon vieux scanf, comment est-ce que ça marche? Eh bien, c'est pas si différent. C'est un flux, toujours un flux. Sauf qu'au lieu de faire cout, on fait cin, et au lieu de faire des chevrons vers la gauche, on fait des chevrons vers la droite. On y met une variable, laquelle vous voulez prendre la valeur, et ensuite on va afficher notre variable. Voilà. Oups. Alors, là il attend une entrée au clavier, on va mettre 1, et il affiche bien 1. Il n'y a même pas besoin de mettre l'adresse. Pourquoi? Parce que ici, c'est une référence à la variable qui est donnée. On avait vu les références dans l'épisode d'avant. Je ne vais pas revenir là-dessus, pour une sorte de pointeur. Ok. Donc le cin permet de faire ceci. On va prendre l'exemple sur une chaîne de caractères. De 30, on s'en fiche. Hop. On va se permettre de l'afficher. Hello world. On entre une chaîne de caractères, il l'affiche, mais là, comme d'habitude, commencer avec le bête %s, qui équivaut plus ou moins à ça, eh bien, il ne prend que le premier mot, jamais l'espace. Si vous voulez prendre l'espace, rien ne vous empêche de faire ceci. Getline. Alors, vous allez prendre une ligne, à partir de quoi? Ici, vous mettez un flux, ça peut être un fichier, ou ça peut être la sortie standard. Vous voulez lire sur la sortie standard placer le contenu dans S. Alors, il me semble qu'il va être le std devant le getline aussi. Non. Pof. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me le mettre? À mon avis, c'est un include qui n'est pas bien mis. Je vais voir, j'ai peut-être un exemple ici. Le getline. Je ne sais plus du tout dans quel... On va essayer ce header-là. Il y a tellement d'include en C++. Alors, j'ai testé tout à l'heure, il fonctionnait, mais dans mon fichier, j'avais plein d'include. J'ai l'impression qu'il sait comme... Il le reconnaît tout de même. Alors, pourtant j'ai mis un exemple ici, je crois getline, c'est in, avec la chaîne de K. Ah, oui. Je pense que... Je vais tester un truc, je suis pas sûr. Mais tout à l'heure j'avais testé, mais je crois que j'avais pas testé avec une chaîne de caractères classique du langage C. On l'appelait SS, on s'en fiche. Est-ce que ceci... Ah voilà. Alors oui, getline est une fonctionnalité qui ne prend pas une... une chaîne de caractères standard, du coup un pointeur vers la première case d'un tableau de char. Du coup, bon, C++, on ne fera jamais comme ceci, sauf si vous êtes de la vieille école. Et c'est justement là que j'aimerais bien en venir, c'est que... On va enlever aussi. On utilise un objet du langage C++ qui s'appelle string, qui est dans l'espace de nom std. N'oubliez pas que vous pouvez enlever le std si vous faites un using namespace std. Virgule, juste ici, ou même avant, je pense. Donc voilà, donc ici, c'est pareil, une string, c'est comme une chaîne de caractères. Sauf qu'une string, alors, on fera après ceci. On peut la déclarer comme cela. Hello world, ça fonctionnera. Vous pouvez l'afficher comme une string classique. C'est la même chose. Sauf que ceci est un objet. On verra ce que c'est un objet, hein, de toute façon, dans la prochaine vidéo. C'est un objet qui gère toute l'allocation dynamique sur une chaîne de caractères. Mais absolument tout.
Il gère tout ce qui se passe avec la chaîne. Vous pouvez revenir sur votre chaîne et mettre n'importe quoi. Pour revenir comme ceci, mettre n'importe quoi. Ça fonctionnera. Vous ne serez même pas obligé de faire l'allocation dynamique par vous-même. Tout sera dynamique automatiquement. Alors, je vais vous montrer qu'on peut l'afficher. Hop, là. Oh, c'est quoi son problème ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? Attendez, parce qu'il y a un peu trop d'erreurs. Alors oui, lorsque vous faites des erreurs avec les flux... Oups, pourquoi est-ce qu'il veut pas ? Voilà. Lorsque vous faites des erreurs avec des flux, il y a quand même des... C'est assez indigeste. Oula. Ah oui, j'ai mis end, alors que c'est end L. End line. Voilà. Une petite erreur sur un flux et vous avez une erreur gigantesque, mais il suffit d'un petit truc. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien. Alors là, on y reviendra plus tard. Il y a plein de fonctionnalités sur les strings. Je vous laisserai aller les voir aussi sur le... sur c++.com. Il y a tout. Je vous en montrer une qui est vraiment chouette. C'est ss. Alors, je crois que c'est length pour obtenir la longueur de la chaîne. Je me trompe pas, ouais, c'est length. Et il vous donne 12. D'accord ? Je crois que size marche aussi. Voilà. Alors ça, c'est une écriture assez nouvelle. Prendre ce qu'on appelle un objet et chercher sur cet objet une fonctionnalité qui s'y rapporte. Mais ça, on verra encore à la prochaine vidéo. Dans C++, il n'y a quasi que des objets dans les nouvelles fonctionnalités. D'accord ? Du coup, je ne peux pas passer outre. Mais ce sera beaucoup plus clair dans la prochaine vidéo. Du coup, les strings. Une string, vous pouvez faire avec le cin comme on a vu tout à l'heure, et aussi par le getLine. Hop, on cherche à prendre une ligne sur la sortie standard. Vous pouvez mettre aussi un fichier ici. Et prendre votre variable. String. Hop. Voilà, là, ça compile cette fois-ci. Donc là, on va rentrer une phrase avec plusieurs mots. Et là, ça fonctionne bien. Vous avez mis une phrase dans votre string. Voilà, voilà. Ok. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié. Alors, oui, il y a une petite fonctionnalité. C'est que vous pouvez faire... Il y a une fonction qui s'appelle toString. Et vous mettez plus ou moins n'importe quoi. Ça marche avec les flottants, les entiers, les caractères. On va faire 666.6. Et on va l'afficher. Alors je ne sais pas s'il faut mettre std devant. Il faut mettre std devant. Hop. Voilà. Et on affiche. Et ceci, c'est bien une chaîne de caractères hein, qu'on a mis. Un nombre qu'on a mis dans une chaîne de caractères. D'accord ? Alors, accéder au caractère comme une chaîne classique. C'est pas parce que c'est un objet qu'on ne peut pas y accéder. Par contre, j'ai un petit doute. Alors, je mélange peut-être avec le Python. Oups, qu'est-ce que je fais Voilà, on peut accéder aussi aux éléments de la chaîne de caractères, à chacun des caractères, d'accord. Je mélangeais avec le Python, ou ceci, ben, c'est impossible en Python. Ok. Voilà. Alors, on parlait des streams tout à l'heure. Ah oui, un dernier truc. On parlait aussi des chaînes de caractères classiques. Si vous êtes de la vieille école, hop. Vous pouvez faire ceci aussi. On va afficher str. Ceci ne marche pas. Vous allez voir. Ceci ne fonctionne pas, logiquement. Voilà, ceci ne fonctionne pas. Mais... ceci, oui. Vous dites à votre string, convertis-toi en une chaîne de caractères du langage C classique. Et ça ne marche pas. Pourquoi tu ne veux pas ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas ça, passe. À mon avis, on va faire un petit strcpy. Je n'utilise jamais ça vu que je n'utilise que les strings en C++ du coup. La symbiose entre les deux. On va inclure string. Point. C'est string. Voilà. Ok.
Et voilà, là, ça fonctionne bien, d'accord? Donc, on peut convertir les strings du langage C++ en strings du langage C classique, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, on parlait des flux, des purs flux tout à l'heure. Eh bien, les strings aussi peuvent être des flux. Pas cet objet-ci, ce n'est pas un flux comme stdcout, mais il est possible de faire ça. Il faut inclure sstream. String stream, c'est un objet aussi. On va l'appeler ss. Voilà. Alors, on ne peut pas initialiser de mémoire. D'accord. Mais ce qui est bien, voilà, on ne peut pas initialiser. Mais ce qui est bien avec ça, avec le sstream, avec le string stream, c'est que, comme avec un cout, un cr, on peut, oh là là, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. On peut faire des formatages. Par exemple, ceci. Hello. 3 points gagna. Non, ça. Ça enchaîne de caractères. Hop. On met un espace. Là, on formate, hein. On ne fait que formater. Je veux de l'hexadécimal et je vais mettre un entier. 17, par exemple. Ceci. Si je fais pas d'erreur, ça devrait fonctionner. Alors, je ne pense pas qu'il l'affiche directement. Voilà. Apparemment, si. Voilà, non, il l'affiche pas directement. Je pense qu'il faut appeler str pour obtenir l'objet string qui est derrière. Voilà, et là on a notre objet string qui est contenu dans stringStream. D'accord? Mais SS n'est pas une string à proprement parler. Elle contient une string, c'est comme une structure si vous voulez. Et pour l'obtenir, on fait .str avec des parenthèses. C'est ce qu'on appelle une méthode, mais qu'on verra aussi dans la prochaine vidéo. Donc voilà la string qu'on a créée. Donc voilà, ça c'est les flux pour les chaînes de caractères, c'est vachement cool. Franchement, moi je kiffe. Et c'est très pratique surtout. Ok, ensuite, on en a fini avec ça. Bien sûr, il y a encore plein de fonctionnalités, mais ça, je vous invite à aller les voir sur c++.com. Alors maintenant, on va voir encore les flux, ce qu'on appelle avec les fichiers, d'accord? On va inclure tout ce dont nous avons besoin. Fstream, ostream, offstream, non, c'est ostream. Je crois que c'est juste fstream, je crois que c'est bon. Au pire, on rajoutera après. Hop. Alors. On va créer une variable, un flux qui va permettre d'écrire dans un fichier. D'accord? Alors, on va créer notre variable fichier qui est de type offstream pour output file stream. Stream qui veut dire flux, hein, je rappelle. On crée notre variable file. Voilà. Alors on avait l'habitude de faire par pointeur auparavant, mais ici on va faire comme ceci, on va la déclarer comme ça. On va pas faire avec la syntaxe du constructeur, ça on verra dans la prochaine vidéo. On va faire. Alors, on fait encore l'orienté objet ici, mais là je ne peux pas me défiler par rapport à ça. Je préfère voir d'abord tout ça avant de voir l'orienté objet. Alors. Pour ouvrir un fichier, on fait file.open, le nom du fichier que vous voulez ouvrir, test.txt par exemple, et le mode. Au stream, le mode de base, ben, c'est output. Le mode de base s'appelle iOS, non, std, pardon. iOS, encore un espace de nom, out, pour dire qu'on va écrire dans le fichier. De base, il y est, vous n'êtes pas obligé de le mettre ici, mais moi je vais le mettre. Vous avez plusieurs modes, hein. Vous avez le mode iOS in, d'accord, ben pour c'est le contraire, mais ça ce sera pour l'objet ifstream. L'objet ifstream, on va faire un parallèle, d'accord, ce sera plus clair. L'objet ifstream, c'est pour lire dans un fichier. Input file stream, et lui, au lieu de mettre iOS out, c'est iOS in, il est déjà de base, du coup vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et vous avez un mélange des deux, qui est le fstream, où là vous êtes obligé de mettre soit iOS in, soit iOS out. Il y a d'autres modes aussi, je vous les lis maintenant. Je vais pas tout montrer, hein, parce qu'on a déjà vu tous les modes auparavant en langage C, c'est juste la syntaxe qui diffère. Donc, on a vu iOS in, qui permet
de lire les informations, le out qui permet d'écrire des informations dans un fichier. Vous avez le iOS binary pour du fichier binaire. De base, c'est du texte. iOS 8, celui-là je vais l'écrire, c'est du std. Toujours mettre std. Hein. iOS 2.2.8, ce mode-là que vous mettrez hein, ici. Si vous voulez en mettre plusieurs des modes, là c'est très intéressant. Vous faites comme ceci. Vous mettez un petit ou et vous mettez vos bazars. Et vous les rajoutez, etc., etc. Tous les modes que vous voulez. Par exemple, vous pouvez rajouter std, iOS, binary, à côté avec un ou. Le simple ou binaire. Le 8, lui, je vérifie parce que je suis plus sûr. Ah oui, il positionne le curseur du fichier à la fin, d'accord. Vous avez le iOS app, donc au lieu de 8, c'est app, qui lui, c'est l'équivalent du mode A, c'est-à-dire qu'il va tout mettre à la fin du fichier, d'accord. Ouais, il va tout mettre à la fin du fichier, vous allez écrire, mais ce sera à la fin du fichier. Et le iOS trunk qui dit que si le fichier existe déjà, eh bien il va le remplacer. D'accord ? Le trunk, ça s'écrit comme ceci, trunk. Voilà. Je ne vais pas tout montrer, ça prendrait des plombs. Ici, c'est vraiment pour montrer une nouvelle syntaxe. Alors, on ouvre un fichier, on n'oublie jamais de le fermer à côté. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut utiliser les flux. Ça, c'est vachement bien. Alors ici, on va écrire, oui, on va écrire dans un fichier. On est au stream. Donc, on peut mettre un out. Ou alors, on ne met rien ici. Nous sommes en off-stream. Il y est de base. On ne va pas le mettre. Okay. Si on veut faire les choses proprement, on dit si le fichier .isOpen, donc s'il est ouvert, si tout s'est bien déroulé, on va effectuer nos opérations. Hop. Et on le fermera seulement s'il est ouvert, évidemment. Ok. On veut écrire du texte. Eh bien, on va utiliser les flux. Hello world. Et on veut mettre, si on veut, un petit NDL dedans. Logiquement, fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Hop, voilà. Alors, je vais lister. Je vais chercher. Il n'est pas ici. Je vais le prendre. Voilà. Et là, on a bien dans notre fichier Hello world. On recommence. Et là, voilà. Ici, il ne réécrit pas dedans. Hein. Là, on lui a pas spécifié de réécrire dedans. Du coup, il va écraser et puis refaire. Donc, j'avais dit quoi comme mode qui était sympatoche. Donc là, si je rajoute un mode, il faut que je reprécise le out. Et le mode, j'oublie tout le temps le nom, c'est le 8. Oui. iOS. Alors, donc je veux écrire à la fin du fichier, du coup je mets le app. Oups, allez mon vieux. Donc là, logiquement, on a toujours notre hello world, et là, voilà, là il réécrit à la fin. Hop, voilà. Alors, est-ce que le app là, je ne suis pas sûr, sous-entend un hein, out? Voilà, on a 4 hello world, si le... Et voilà, le app sous-entend que l'on met un std iOS out aussi. Ok. Alors, tout ça aussi, c'est listé sur c++.com. Hein. Là, je vous montre vraiment les nouvelles syntaxes, comment est-ce qu'on peut écrire de nouvelles choses dans un fichier. Ok, c'est exactement la même chose pour le binaire, d'accord. Ça marche pareil. Alors, vous pouvez... Aussi avec le formatage, vous pouvez mettre des entiers, des hexadécimaux, etc., etc. Il y a encore plein de choses à voir. On peut aussi faire comme cela. File.write pour écrire, par exemple, Hello World, encore une fois. World. Yep. On va pas mettre de à la ligne cette fois-ci. Ça marche aussi, mais c'est plus d'une manière fonctionnelle. Ah, il ne veut pas. Too few arguments. Ah oui, il en veut deux. Oui, il en veut deux parce que il faut lui renseigner la taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va mettre 13. Mais ça, c'est plus pour le binaire. Hein. C'est... Pour les tailles, c'est beaucoup mieux pour le binaire. Alors là, voilà. Vous voyez, là, il se transforme directement en binaire avec le... Voilà. Du coup, c'est toujours mieux de faire avec le... comment dire, avec les flux.
Avec la mécanique des chevrons. C'est beaucoup mieux. Ok. Alors, eh bien, on va vite fait montrer le if stream. C'est pareil. Sauf que ici, on va lire. On va seulement lire. Et le in, il est directement dedans. Il n'y a pas besoin de le mettre. Et au lieu de faire du write, on va faire du read. Je veux lire dans une variable s qu'on va créer. Std de point string s. On peut la créer comme ceci aussi, la variable. Il y a plusieurs syntaxes. On va faire une s vide. Voilà. On va lire dans s, ne sais pas, on va prendre 10 caractères. Alors là, vu que c'est du binaire, on va réécrire un truc dedans. Ouais, là il a un peu. Je sais pas si ça fonctionnera ici. Oh. Je vais éviter d'utiliser ça pour du texte. Ça ne va pas le faire. On va faire avec les chevrons. Donc là, comme avec le cin, sauf qu'ici on utilise le file. On va mettre le chevron de l'autre côté et tout placer dans la string. Voilà. Et oui, si je ne. Si j'affiche rien, ça va pas le faire. Donc logiquement, il devrait nous afficher Hello World. Enfin, Hello. Parce que je ne lui ai pas demandé d'écrire une ligne. Hein. C'est comme. Commencez toujours. Vous mettez quelque chose dans une string, il va toujours s'arrêter à l'espace. C'est comme avec le cin. Sauf qu'ici, on utilise un autre flux qui est notre fichier. Du coup, ce qu'on va faire, c'est. Comme tout à l'heure, std getLine, notre fichier qui est notre flux et notre chaîne de caractères. Et là, on a toute la chaîne. On a pris une ligne. Ok. Oui, voilà. Et vous bouclez tant que. Par contre, est-ce qu'il existe? Je n'ai même pas fait attention. J'utilise tellement rarement les fichiers. Appeler du EOF pour savoir si on a la fin du fichier. Alors là, par contre, oui, il existe. Voilà. Donc, 1 qui équivaut à vrai. On est bien à la fin du fichier une fois qu'on le ferme. Ok. Donc, vous pouvez boucler tant que le fichier n'est pas à la fin du fichier. D'accord. Pour lire toutes les informations. Ok. Ben voilà. Donc, ça, c'était le if stream. Et il y avait un autre objet. Il y en a plein d'autres. Il y a des buffers aussi, mais bon, on va pas tout voir. C'est le. Fstream, le simple fstream, qui lui est polyvalent. On va ouvrir notre fichier. Lui, vous pouvez choisir, mais il faut le mentionner. Voilà. Lui, il est soit en output, soit output, soit input. C'est vous qui choisissez. Je pense qu'on peut même faire les deux. Voilà. Et c'est vachement plus lisible ça que je trouve en C avec les fprintf, fscanf ou les write, les read, où il faut mentionner toutes les tailles, tout, etc., etc. Voilà. Et vous avez évidemment, comme j'ai montré tout à l'heure, le file.write et le read pour le binaire. Mais les flux marchent aussi. Ok, donc voilà, en gros, je suis peut-être allé un peu rapidement, j'avais envie de voir ça là-bas. À la base, parce qu'on va beaucoup utiliser les flux quand même pour afficher, etc. Dans ce qui est le reste du C++. Dans la prochaine vidéo, nous verrons programmation orientée objet, ce que c'est. On va regarder, savoir ce que c'est un constructeur, un destructeur, une méthode statique, un attribut statique, des méthodes constantes, des attributs mutables, les arguments par défaut. On verra ça. Dans la prochaine vidéo, ensuite, on verra la surcharge des méthodes, des fonctions, des opérateurs. Ceci est une surcharge d'opérateurs. C'est-à-dire que c'est le programmeur qui a défini lui-même le fonctionnement de l'opérateur. Ceci, c'est pas dans le langage C++ de base. C'est une fonctionnalité qui a été créée en C++. Et on verra aussi l'héritage multiple, l'encapsulation des données, les templates, la virtualisation, l'abstraction, les exceptions, et encore plein d'autres choses.
Le C++, c'est vraiment pour vous apprendre ce que c'est l'orienté objet. Ensuite, on ira en Java, en Python, en Lua, en ce que vous voulez. Ça risque d'être très intéressant. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Très prochainement, à mon avis, ce sera même lundi. Peut-être, non, mercredi. On verra bien. Allez, ciao!